Depuis 2013, le Niger dispose d'un document de politique nationale de modernisation de l'État dont l'impact recherché est que le niveau de satisfaction des usagers des services publics soit amélioré. Et pour que ce changement qualitatif soit une réalité, il faut que les rapports entre l'État, qui est producteur des services publics, d'une part, et les usagers qui en sont utilisateurs, d'autre part, donc il faut que ce rapport soit des plus aisés. Les usagers doivent en particulier connaître la notion de service public, ses principes fondamentaux, ainsi que les conditions pour y accéder. Le service public désigne tout bien ou prestation de service assuré par l'État ou un de ses démembrements, notamment les collectivités territoriales ou les établissements publics, ou sous leur contrôle, n'est-ce pas, en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général. Par exemple, la sécurité publique, l'éducation, la santé publique, les services d'assainissement, les services de voirie sont des services publics que nous connaissons et qui sont très courants. Sur le plan institutionnel, est considéré comme service public toute organisation ou un appareil administratif doté d'un ensemble de moyens, notamment humains, financiers et matériels, affectés à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. Il y a quatre principes fondamentaux qu'il faut retenir par rapport au service public. Il y a le principe de continuité du service public, il y a le principe d'égalité de tous devant le service public, il y a le principe de mutabilité et il y a le principe de neutralité. Un élément important sur lequel il faut revenir, c'est l'accès au service public. Cet accès-là est un droit consacré par la Constitution de la 7e République, notamment en ses articles 10, 11, 12 et 13. Et c'est pour faciliter cet accès aux usagers que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a initié une campagne de communication sur les procédures administratives que nous avons appelée le coin de la modernisation. Il s'agit d'une séquence qui permettra à tous les usagers de trouver des réponses pratiques à un certain nombre de questions qu'ils se posent quotidiennement. Par exemple, à qui dois-je m'adresser pour obtenir tel ou tel service public? Quelles formalités faut-il accomplir? Comment obtenir telle ou telle pièce constitutive d'un dossier? Combien de temps faut-il pour obtenir tel ou tel service public? Combien coûte l'obtention d'un service public? Aujourd'hui, nous allons vous parler de la procédure de création d'un titre foncier. La création d'un titre foncier est l'acte par lequel l'État, à travers la conservation de la propriété et des droits fonciers, assure au titulaire la garantie des droits réels qu'il possède sur les immeubles soumis au régime de l'immatriculation. C'est le document par lequel l'État vous cède les terrains de manière définitive. Le titre foncier est établi par la Direction des affaires domaniales et cadastrales lorsque vous êtes à Niamey. Pour ceux qui sont en région, ils doivent s'adresser à la Direction régionale des impôts de la région. Il y a deux types de procédures pour la création d'un titre foncier: la formalité simplifiée et la formalité ordinaire avec inscription des droits de superficie. Pour la formalité simplifiée, communément appelée titre foncier Cheida, suivant la zone où se situe votre immeuble, le dossier à présenter comprendra les documents différents. En zone lotie immatriculée, il vous faut une demande timbrée, l'acte de cession enregistré de l'immeuble, un plan de situation timbré, la copie d'une pièce d'état civil, l'adresse complète de l'intéressé, le délai de traitement est de 7 jours. En zone lotie non immatriculée, le dossier est le même que la zone lotie immatriculée, sauf que le délai de traitement est de 100 jours pour raison de publicité. En zone non lotie non immatriculée, pour avoir le titre foncier Cheida, il vous faut comme pièce une demande timbrée, un certificat de détention coutumière enregistré, délivré par l'autorité locale de l'immeuble après avis de la commission foncière, un plan de situation timbré, la copie d'une pièce d'état civil légalisée, l'adresse complète de l'intéressé, un plan côté rattaché au système de coordonnées locales. Le délai de traitement est de 100 jours pour raison de formalité de publicité. Il y a deux types de tarification, selon que la zone soit lotie ou non lotie, conformément à l'ordonnance 2005-23 du 15 novembre 2005 portant loi de finances pour l'année budgétaire 2006. En zone lotie, la parcelle nue
c'est à 15 000 francs. Parcelle clôturée, 25 000 francs. Maison en banco, 75 000 francs. Maison en semi-dur, 100 000 francs. Immeuble en dur à un niveau, 150 000 francs. Immeuble en dur à deux niveaux, 300 000 francs. Immeuble à plus de deux niveaux, 500 000 francs. En zone hors lotissement, lorsque vous avez un jardin en zone urbaine, le montant est de 60 000 francs. Il est de 30 000 francs en zone semi-urbaine et de 10 000 francs en zone rurale. Lorsqu'il s'agit d'un champ, le montant est de 20 000 francs en zone urbaine, en zone semi-urbaine et de 5 000 francs en zone rurale. Voilà ce qu'il en est pour la formalité simplifiée chez EDA. En ce qui concerne la formalité ordinaire avec inscription des droits de superficie, suivant la zone où se situe votre immeuble, le dossier à présenter comprendra les documents différents. En zone lotie immatriculée, il faut une demande timbrée, l'acte de cession enregistré de l'immeuble, une lettre de cession définitive adressée par le maire de la commune, 5 copies de procès verbal de constat de mise en valeur dûment établi par la commission de concession du lieu où se situe l'immeuble, un plan de situation timbré, la copie d'une pièce d'état civil, l'adresse complète de l'intéressé. Le délai de traitement est de 7 jours. En zone lotie non immatriculée, le dossier est le même que la zone lotie immatriculée, sauf que le délai de traitement est de 100 jours pour raison de formalité de publicité. En zone non lotie non immatriculée, les pièces à fournir pour avoir le titre foncier ordinaire sont une demande timbrée, un certificat de détention coutumière enregistré délivré par l'autorité locale de l'immeuble après avis de la commission foncière, 5 copies de procès verbal de constat de mise en valeur dûment établi par la commission de concession du lieu où se situe l'immeuble, la copie d'une pièce d'état civil, une lettre de cession définitive adressée par le maire, l'adresse complète de l'intéressé, un plan côté rattaché au système de coordonnées locales, le délai de traitement est de 100 jours pour raison de formalité de publicité. Les tarifs pour la création du titre foncier ordinaire sont la mutation totale de propriété, qui est égale à 1% du prix du terrain, l'inscription du droit de superficie, qui est égale à 0,5% du montant des investissements inscrits au constat de mise en valeur. Il y a un droit fixe de 500 francs pour les personnes physiques et 1000 francs pour les personnes morales. Le salaire du conservateur qui est égal à 30% du total des trois premiers droits. Une taxe topographique qui est de 20 000 francs pour les superficies inférieures à 5 000 francs, plus 2 000 francs par borne calculée et reportée. Pour les superficies comprises entre 5 000 francs et 1 hectare, qui est 10 000 mètres carrés, elle est de 25 000 francs plus 2 000 francs par borne calculée et reportée. La taxe topographique sera majorée de 9 750 francs par hectare ou fraction d'hectare au-dessus du premier. Pour finir, nous rappelons que les usagers doivent savoir que le titre foncier n'est pas seulement un instrument de recherche de prêt au niveau des institutions bancaires, c'est d'abord un document permettant de sécuriser son immeuble à travers la cession définitive. Voilà ce que nous pouvons dire sur la procédure de création d'un titre foncier au Niger.